Donc salut à tous, c'est parti pour la vraie dernière vidéo, cette fois c'est vraiment la dernière. On va prendre ce qu'il y a pour faire téléporter. On va arriver à la fin du jeu. Directement au sommet du phare. Voilà. Alors qui est-ce? Ah là, il y a une puissante force qui l'empêche de mettre le phare, l'étoile dans le phare. Donc c'est quelqu'un qui nous connaît. Hein. Et voilà l'inexorable. Vous vous rappelez de sa puissance, hein. Quand même, n'importe quoi, qu'est-ce qu'il dit? Ça fait bizarre de voir Vlad parler quand même. On a 2-4 de toute façon, ça sera la fin. Donc. Voilà, bon alors ça c'est important, vous verrez après. C'est pas dur de savoir qui c'est, hein. C'est le mystique de l'eau. Voilà. Voilà, d'où le nom du jeu Golden Sun. Eh oui. Fallait aussi attendre quand même. Pas facile à deviner. Hein. On savait qu'il avait forcément un but, hein, mais... Alors que si tu viens foutre ici, t'sais. C'est clair, dégage. Comment elle parle à un dieu, l'autre. Et voilà. Et voilà, le dernier boss. Voilà le boss final de Golden Sun 2. Avec une musique vraiment excellente, je trouve. Ouais, gigantesque.
Vous allez voir que c'est un boss assez chaud parce que il devient de plus en plus puissant en fait. Il a 3 têtes, 12 000 points de vie. Donc tous les 4 000 points de vie, il perd une tête. Et à chaque fois qu'il perd une tête, il est plus puissant en fait. Vous allez voir qu'il est assez chiant. Hein. Il utilise 3 attaques par tour aussi. Il se soigne. Vous allez voir, au début il est faible, hein, donc on se dit oh mais il est nul ce boss. Vous allez voir après. Quoi. Non, 4 attaques par tour, je raconte des canons, il n'en a pas 3. Ça arrive qu'il puisse pas bouger des fois aussi. Ça c'est ça. Je parle pas trop pendant le combat hein, parce que je suis concentré. Faut pas que je bouffe. Bon, là on se dit ouais j'ai gagné. Et non. Ça serait trop simple. Combat intéressant hein, parce que je vous dis plus ça avance plus c'est dur. Vous allez bientôt vous en rendre compte. Il a vraiment des magies de tous les éléments, il a un peu de tout. Alors ça, ça fait horriblement mal. Je vous le laisse en entier, hein, l'animation. C'est sa meilleure attaque. Hein. Très impressionnante d'ailleurs.
j'avais pas menti. Voilà. Ça c'est très franc aussi. Là, quand il fait ça, bon je fais quasiment rien. Quoi. On se rend un boss intéressant quoi, il a tout. Il est assez imprévisible. Je combats un peu au pif, mais bon, ça suffira. De toute façon j'ai un niveau assez haut donc ça suffira. J'essaie de varier un peu les attaques hein, pour que ce soit pas trop chiant à regarder. Alors ça c'est horrible. Enfoiré! Putain, il l'a fait au bon moment, salaud. Salopard.
Vous allez voir que la troisième phase, hein, quand il y aura plus une tête, va être encore plus dur que celle-là. Bon là je tiens le coup, hein, c'est bon. Mais la suivante est beaucoup plus dure. Alors, comment on fait déjà? Putain, j'ai réussi à lui bloquer son... Sauf qu'il utilise beaucoup d'attaques qui ne sont pas de synergie en fait. Bon, celle-là. On la passe en ce point. Je crois que Sylvia, elle va m'enlever. Merde. Je peux pas encore faire... Des dames ? Ah non, il en faut 30. Oh merde, mais elle a poussé le vin dans la tente, cette fois. Je peux pas aller. Je peux pas augmenter mes trucs ou quoi? Ils doivent être à fond. Hein. Aïe aïe aïe. Voilà, il perd sa dernière, son avant-dernière set, sa deuxième tête. Ah, j'ai bien fait de faire deux vidéos au début. Hein. Ça leur était vraiment trop long. Pourquoi elle a pas fait son truc, elle hein? Connasse. Je passe toutes les trucs hein, comme ça. Alors ça c'est vraiment l'enfer. Mais pas pire. Ça plus ça, ça fait trop mal. Heureusement que j'avais mis le. Que j'avais mis flash. Hein. J'ai trop eu du bol là. Voilà, on a plus qu'à... voilà. Je vais faire les bourrins.
forcément les dents. C'est vraiment à l'arrache, frère, j'ai aucune tactique là. Mais... bon. Je pense que ça va marcher quand même. J'ai un bon niveau là. Aïe. Oh putain. Si elle est morte. J'aurais dû faire ombre, je crois. Ah non, c'est Perse qui est mort. Sophia aussi. Le carnage quoi. Merde, je peux même pas le citer quoi. Connerie là, celui-là, elle s'en fout pas, bien. Oh bordel. Ça va faire mal. Merde. Putain, Garrett, j'espère qu'il a son truc. Non. Je suis mort. Je sais pas comment je vais faire là. Là, je suis vraiment dans le caca là. Je l'ai dit avec la dernière tête, il fait une poêle contente, c'est très chouette. Et voilà. Il enchaîne, hein, ce salaud. Putain, mais récupère pas, quoi, il va mettre 20 ans de récupérer ça. Ah, toi, tu le fais bien au bon moment.
crois qu'Excalibur est plus intéressant que la lame solaire. Ouais, il le peut à chaque tour. Hein. C'est pas possible ça. Putain, mais récupère toi. Vlad qui sert qu'à ressusciter. Ah bon. Oh yeah. Ah bah je m'en suis bien sorti, c'est... Avec plus perso ça va. Et voilà. On a battu le boss final. Vous allez voir la fin du jeu qui est assez surprenante. Voilà. Bon, en tout cas, nous a mis à l'épreuve quoi. C'est nos parents en fait, hein. Je ne sais pas compris. En fait, bah, il nous a mis à l'épreuve quand en clair, il nous a dit que s'il fallait sacrifier des gens en clair pour... fallait faire des sacrifices quoi. Voilà, bon, on va allumer le phare. C'est la dernière fois qu'on touche la manette là. Regarde comment on fait. C'est quoi ce délire ? Mais... Pourquoi j'y arrive pas? Ah oui voilà, fallait s'approcher comme ça. Et là on jette l'étoile dans le fer de Mars. On a eu le dernier des 4 phares. Chaque fois ils ont du pot hein, ça se cache juste à côté d'eux mais jamais dessus. Donc là ça va être un événement spécial parce que bon, on allume un phare mais c'est surtout que les 4 phares sont allumés quoi. Thank you.
C'est un dieu, hein, faut oublier. Il est ni bon ni mauvais, quoi, c'est un dieu. Donc là, il nous a dit, bah, si vous voulez vraiment allumer le phare, je vous mettrai à l'épreuve, et voilà. Fin de jeu vraiment spectaculaire, hein, vous allez voir. Voilà, on se retrouve à Prox. Excusez-moi si je parle pas beaucoup. Hein, mais... La fin du jeu c'est important donc. Je préfère que vous lisiez plutôt que m'écoutiez. ça me m'éclate. Ouais. Ça fait un peu happy end, mais bon, pas tant que ça, hein, vous verrez. Ce qui m'éclate dans cette fin de jeu, en fait, c'est que... Ils font tous les gens ouais ouais trop bien, on se retrouve en famille et tout. Ils se rendent même pas compte que c'est la fin du monde. Pardon. Ouais, j'avais menti, c'est là la dernière fois qu'on touche la manette en fait. Alors, on peut voir tous nos trucs et tout. Mais... Vous avez vu, c'est trop beau hein, Prox sous la neige sans la tempête.
c'est triste la fin d'un jeu quand même. Ça fait chier. En fait, un jeu quand on le trouve génial comme ça, à la fois on est content de l'avoir fini, puis après on se dit merde quoi, j'ai envie de continuer. Optimiste, hein. Ouais, c'est ça. C'est un dieu, faut pas chercher à comprendre ce qu'il y a dans sa tête. Je pense que, d'après moi, hein, il voulait vérifier si on était prêt à tout pour allumer les phares. Ah, trop bien. La musique de fin, ça me fout un peu la larme à l'œil, là. Bon, bah, je vais commencer à vous faire des remerciements, alors. Donc, bah, merci à tous de m'avoir suivi. Hein. Bon, je vous préviens par contre que vous verrez des trucs pendant les crédits, vous verrez plein de scènes. Bon, là, on voit déjà Pavel qui monte au sommet du moins quoi. Le Pavel. Alex. Voilà, donc lui, vous avez compris son but. En fait, il savait que le soleil d'or allait émerger quand il y aurait les 4 phares allumés. Et que ça donnerait la naissance de l'alchimie, en fait, donc la base de toute chose et tout. Enfin, le soleil d'or, quoi. Et il veut, en fait, être illuminé par le soleil d'or pour devenir un être suprême, enfin, le soleil d'or. Et là, c'est vraiment une fin magnifique parce qu'on va voir toutes les lumières des phares partir et... Et créer le soleil d'or en fait. La musique, ça fait bien musique nostalgique et tout. Enfin. C'est triste en fait. Non mais je suis bien fier de moi là pour Golden Sun 2. C'est vrai, bon, j'ai changé de matériel et tout, mais la qualité est bien meilleure que celle du 1 quoi. Du coup, je regrette un peu d'avoir fait le 1 aussitôt. Quoi. Enfin, en tout cas, merci de m'avoir suivi depuis le premier. Hein. Le premier, d'ailleurs, j'avais un peu zappé les crédits à la fin du jeu. Mais c'était justement parce que là, on avait voilà. On avait les crédits, les mêmes crédits aux deux. Donc ouais, le compositeur, c'est Motoi Sakuraba. Celui qui a aussi fait donc les musiques de Star Ocean, les Tales of... Les Valkyrie Profile, enfin c'est vraiment un compositeur assez célèbre qui a fait d'excellentes musiques. Hein. Bah, la preuve, pas en image en son. Voilà, bah déjà, vous pouvez déjà remercier tous les tous ceux qui ont participé au jeu. Hein. Et puis moi, je vous remercie vous de m'avoir suivi depuis le 1, m'avoir soutenu, d'avoir attendu le 2. Je vous avoue que j'étais hyper pressé de le faire et... Voilà. Et ouais, je suis content de moi, donc bon, il y a certains trucs que j'aurais voulu mieux faire, et puis d'autres, je suis vraiment fier. Hein, du genre pour le magicien. La qualité de mes vidéos est venue de mieux en mieux, donc ça j'ai vraiment été content. Et puis j'ai été surtout content que vous me souteniez du début à la fin comme ça, donc
Franchement, merci à vous. Bon, allez, on va regarder un peu la fin maintenant. Parce que je gâche la musique. Donc, voilà. Les 4 lumières des phares se réunissent au sommet du mont Alpha. Ouais, c'est le bas. Voilà, ça c'est important. Oui, le gars qui cherche pas à foutre la merde déjà. Ah, ça marche pas. Quand il fout une branlée, quoi, c'est énorme. Non, mais c'est l'inexorable. C'est autre chose que ce qu'on a vu avant. Voilà. Ça, à mon avis, ça va servir de base au scénario de Golden Sun 3. C'est vrai qu'on. Quand on a vu Golden Sun 2 la fin comme ça, on se dit il peut pas y avoir de suite. C'est, enfin, c'est sûr il y a des questions sans réponse, mais il n'y a pas assez pour faire un jeu entier. C'est pour ça que j'aimerais bien voir le scénario de Golden Sun 3, j'espère qu'ils l'ont pas massacré. Et voilà, bah, ça c'était la fin de Golden Sun 2. Bon, après c'est un petit dialogue sympa avec des petits artworks, vous allez voir ça. J'espère que je passe pas les dialogues trop vite. Hein. Je casse tout, mais c'est pas grave. Ils font une musique bien tragique. Là, c'est la première fois qu'on va pas parler dans le 2 aussi. Non, mais là vous allez comprendre, ce qui se passe, c'est pas des bâtards. Et ils sont tous là en fait. Hein. Ils étaient tous mis à la bonne. En fait, on a jamais eu leur tête hein, quand on y pense. Peut-être au début du 1, mais pas tous. Et là on entend le thème principal de Golden Sun hein. Qui est utilisé dans les grands titres d'ailleurs. Voilà. Une fin larmoyante. J'aime bien la gueule de Télos quand même.
Voilà, c'est la fin. Donc ben moi je vous dis merci à tous encore une fois de m'avoir suivi jusque là, ben, je vous remercierai jamais assez et croyez-moi que je vais continuer à faire des vidéos pendant longtemps, je vous le jure. Et donc juste si je peux vous demander juste une chose, c'est de laisser un commentaire sur cette dernière vidéo. Voilà, et là on peut sauvegarder. Tadam. Comme dans la fin du 1, bizarre hein. Sauf que vous allez voir, ça redémarre le jeu, voilà. Et vous allez voir par quoi ça sert. C'est pas pour Golden Sun 3 en fait. Hein. Oh la vierge. Nouveau. Ok, attendez, je raconte des conneries là. Non. Voilà, c'est ça. Et là en fait il y a moyen de mettre en mode facile. Donc on aura tous les niveaux d'avant, etc. En fait je sais pas à quoi elle sert cette partie de vierge, remarque. Je sais pas, ouais peut-être qu'ils avaient prévu le 3. Ah non c'est ça ouais. Voilà, et la partie vierge en fait elle sert. Oui j'avais pas de mémoire, désolé. Voilà, on utilise la partie vierge pour recommencer le jeu et on a de nouveau tous les trucs qu'on avait avant. Les niveaux, les synergies, etc. Et l'équipement. Bon mais voilà, bah, c'était la dernière vidéo de Golden Sun 2. Encore une fois merci. Et puis je vous retrouverai à la prochaine pour d'autres vidéos. Et quelques vidéos bonus de Golden Sun 2. Mais ça arrivera tard hein, je pense. Donc encore merci à vous, je vous quitte sur cette magnifique musique. Et voilà. Et j'espère que le 3 sera à la hauteur. Allez, salut, merci, laissez un com'.